Approchez-vous de la scène et puis pour pimenter un peu cette remise de prix, on a les jeunes filles qui sont là-bas sous chapiteau qui vont venir nous rejoindre également. Approchez-vous, rejoignez-nous tous à la scène. Avancer les motos, on a les Susriders qui sont avec nous, il y a Christophe qui est là, qui va vous présenter un petit peu ce bike show. On va faire la remise des prix, et puis ensuite, donc on aura le curé qui sera sur la scène, pour ceux qui veulent faire bénir leur moto, qui s'approche, et puis monsieur le maire qui nous rejoindra par la suite, qui est un peu retardé. Et puis toute la soirée après, on aura une nuit de concert, comme on le fait déjà depuis deux jours. Approchez-vous tous, ceux qui sont encore là-bas à la buvette, venez nous rejoindre devant la scène, prenez vos verres, les filles elles sont plus là-bas, elles sont ici maintenant. Je voulais remercier tous ceux qui avaient amené leurs motos, on avait à peu près 34 motos, donc je les remercie de s'être déplacés, d'avoir amené leurs motos. Malheureusement on ne peut pas donner des prix à tout le monde, vous aviez tous des belles motos, donc on a fait 4 prix et un coup de cœur. Un coup de cœur c'est une moto... On a un petit flash dessus et on voulait remercier la personne qui l'avait fait. Donc on va commencer par le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est Max qui va donner le prix. D'accord ? Et c'est le numéro 17. Et c'est Chopper Steel. Il y a quelqu'un de chez Chopper Steel dans la foule ? Allez, monte. Allez, rejoins-nous. Voilà, monte sur la scène, viens récupérer ton prix et parle-nous de ta moto. Alors... Vous pourrez admirer par la suite, ils ont fait des trophées qui sont magnifiques. Elle est Chopper Steel, la moto numéro 17. Chopper Steel, rejoins-nous. Allez, allez en famille, Christophe. Voilà, alors ça, c'est le coup de cœur de la Hell's Week. Voilà, tu veux nous parler de ta moto ? Allez, parle-nous de ta moto. Bon, déjà, merci à tous. Hein. Donc, cette moto a été, on va dire, presque construite pour ici, pour la Hell's Week. Dans un délai assez court, puisque bon, en fait, elle était en mouvement depuis un petit moment. Et comme on a un garage, on l'a mise en stand-by, on a fait passer des clients avant. Et elle a réellement, donc, réellement, on a mis 10 jours pour la monter, en sachant qu'on l'a fini mardi soir à minuit. Pour arriver jeudi midi ici quoi. Bah écoute, encore bravo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la moto noire qui est là en plein milieu. C'est Max qui remet ton prix. On peut les applaudir s'il vous plaît. Ça vous fait pas de mal, ni à nous. Merci. C'est ça, Hell's Week 2017. On applaudit, on encourage. Beaucoup de travail. Voilà, bravo à vous pour votre travail. Et on espère que tu amèneras notre moto l'année prochaine. Elle est déjà en projet ? Bon, ben c'est bien. Alors on se voit l'année prochaine. Merci beaucoup. Numéro 8, Zeppelini. La moto numéro 8, Zeppelini. Quatrième place. Alors propriétaire de la moto 8. La moto numéro 8. Ah, il arrive, il arrive. Voilà, il arrive. Voilà, un beau barbu. Et puis alors pour tous ceux qui veulent faire venir leur moto, avancez-les sur le site. Viens nous voir. Juste après la remise des prix. Tu veux nous parler de ta moto, donc c'est la moto avec le turbo. Donc contrairement à ce que les gens auraient pu penser pendant le flux, c'est une moto qui fonctionne. Le turbo fonctionne, la moto fonctionne, je l'ai entendu tourner. Et c'est le quatrième prix. C'était assez audacieux comme travail sur la moto et on voulait lui remercier. Tu veux nous parler de ta moto ? Alors c'est un moteur de sport, c'est avec un turbo à géométrie variable. Le troisième prix, c'est la moto numéro 5, Olivier. Est-ce qu'on l'a Olivier avec nous, la moto numéro 5 ? Olivier, si t'es là, rejoins-nous. Olivier, la moto numéro 5. Ah, il arrive, il arrive.
De mémoire, je crois que c'est le panais d'orange que vous avez. Il est juste là, en plein milieu. Voilà. Si vous voulez faire un peu de place autour de sa moto. Olivier, donc le troisième prix, bravo. Un panais, quelle année ? 65. Qu'est-ce qu'il reste d'un panais de 65 ? Les autres aussi sont beaux. Donc c'est une boucle ceinture de la Health Week. Je vous la montre. Magnifique prix. Allez. On va passer dans le vif du sujet parce que maintenant il n'en reste plus que deux à remettre, je crois. Exactement. Le deuxième et puis le grand gagnant de ce bike show 2017. Alors Christophe, le deuxième. Alors deuxième prix, c'est la moto numéro 11. La moto numéro 11 de chez Passeur Vintage. Allez, rejoins-nous sur la scène. C'est la moto bleue, le cheval que vous avez devant. C'est une moto qui nous a beaucoup plu, il y a beaucoup de travail. Bon, mais c'est une Chauvel de 80. Les fans de Chauvel comprendront de quoi je parle. Et j'ai voulu faire un raceur autour de ce moteur pour profiter pleinement de cette mécanique que j'adore. Voilà. C'est toi qui as tout fait sur la moto ? D'accord. Je me trompe, mais c'est un réservoir de XLS que tu as remodifié pour l'adapter dessus. Ouais, mais bravo, c'est très très beau boulot. Et ça, le prix va être remis par John. Voilà, un prix fait par les South Riders, par notre... Allez, deuxième place. On l'applaudit, deuxième place de ce bike show. Magnifique moto. Là, maintenant, il en reste plus qu'un, je crois. Hein. Là, il reste que le best of show. Hein. On va vous présenter maintenant le best of show de cette Health Week 2017. C'est la numéro 28. La numéro 28. Rejoins-nous le best of show. Il va monter avec son fils. De cette Health Week 2017. Décidément, Christophe, c'est une remise de prix en famille. Ben voilà. La fille, la maman, le fils. Et on lui a fait une petite dédicace, c'est la moto qu'il a fabriquée à son fils. Donc on l'a montée sur la scène et je pense que le petit va se régaler. Voilà, rejoins-nous. Hé, hey, monte sur ta bécane. Eh oui, la relève, elle est déjà prête. On lui fait un tour de bécane. Eh oui, il n'y a pas de hasard. Voilà, la relève est déjà prête. Donc c'est la numéro 28, c'est le papa qui a gagné le Best of Show avec le Sportster qui est magnifique, qui est devant vous, qui est de couleur or. Tu veux nous parler un peu de ta moto? Il parle pas très bien français. Tu veux dire un petit mot? Sorry, I don't speak much French, but it's one of five. All the engraving is done by a man in Spain called Tony, the engraver. The rest of the bike was built by myself in 7 weeks. And I bring it here for you. Thank you very much. Merci. 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 Allez, la suite, faites innovation à l'ancienne génération et la nouvelle. Le best of show. De cette suite 2017. Et donc là c'est Papy, notre président des South Riders, qui va te remettre le premier prix, le best of show. On lui fait l'ovation. Il rafle le best of show. Restez bien là, approchez-vous tous, car dans quelques instants, on a Monsieur Père de Rebrune qui nous a fait le plaisir de vous accueillir ici, qui va nous dire quelques mots.